on analyse les résultats des travaux de recherche qui ont été menés sur le phénomène de décrochage scolaire, on peut en déduire que ce dernier constitue un phénomène complexe et qu'il est, je dirais, le résultat d'un long processus. Souvent, on va voir des élèves qui éprouvent des difficultés au niveau de ce qu'on appelle les déterminants de la persévérance scolaire, parmi lesquels on peut citer la motivation et l'engagement, l'estime de soi. Ici, je parle des facteurs qui sont reliés directement à l'élève. Il y a aussi ce qu'on peut appeler aussi l'engagement parental, le climat scolaire, tout ce que la communauté offre aussi comme ressources de soutien aux élèves. Par exemple, quand il s'agit de faire des activités parascolaires au niveau de la communauté, tout ça aussi, ça vient offrir un soutien à l'élève. On ne se le cachera pas, lorsqu'un élève rencontre des difficultés, des retards ou des échecs dans les matières scolaires de base, sa motivation et son engagement vont en ressentir. Il en est de même d'ailleurs pour son estime de soi qui va baisser considérablement. Il y a aussi quand même un facteur important, l'engagement parental. L'engagement parental qui va généralement se refléter dans ce qu'on pourrait appeler les pratiques qui sont liées à la scolarité. Ici, on peut parler du suivi scolaire, du soutien, l'aide qui est apportée, notamment au niveau des devoirs et des leçons. Il y a aussi ce qu'on appelle, justement, au niveau de l'engagement parental aussi, ce qu'on appelle le soutien parental, qui va se refléter, je dirais, dans les attitudes que les parents vont communiquer à leurs enfants. Est-ce que, par exemple, ils offrent un soutien affectif, constitué d'encouragement, de compliments, de chaleur, d'intérêt? Est-ce que les parents vont encourager l'élève, vont encourager l'enfant à l'autonomie? Donc tout ça, ce sont des éléments qui vont venir, je dirais, renforcer le rapport positif aussi à l'apprentissage et à l'école. D'ailleurs, je parlerai aussi ici de ce qu'on pourrait appeler aussi le climat scolaire, autrement dit, l'atmosphère qui règne dans l'école. Quand on parle de climat scolaire, pour les élèves, pour surtout les élèves, les jeunes qui sont à l'école primaire, même à l'école secondaire, c'est important qu'à l'école, ils sentent qu'il y a un sentiment de justice, qu'ils sentent que les élèves sont traités de manière équitable. C'est important aussi qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils sentent qu'il y a des adultes qui sont bienveillants autour d'eux, qu'ils sentent qu'ils ont un certain attachement à l'école, ce qu'on pourrait appeler le sentiment d'appartenance à l'école. Est-ce que quand l'élève vient à l'école, il sent qu'il est dans un environnement bienveillant, qu'il peut participer aux décisions de l'école? Toute la qualité aussi des relations interpersonnelles et du soutien que l'élève perçoit dans son école. Est-ce qu'il a, par exemple, quand il vit des situations particulières ou des problématiques, est-ce qu'il sent qu'il peut se confier aux gens de l'école? Est-ce qu'il a des amis à l'école? Tous ces facteurs vont venir vraiment à renforcer aussi le rapport positif que l'élève, que l'enfant va entretenir avec l'apprentissage. Évidemment, au-delà de ces facteurs, il ne faut pas négliger les questions de pauvreté dans les familles. Comme on le dit, un de mes profs, que Dieu son âme, me disait tout le temps, « Primum vivere de inde philosophare », donc vivre d'abord, philosopher ensuite. Alors, pour les élèves, on ne se le cachera pas, qui vont à l'école sans avoir mangé, ils ne sont pas disponibles aussi pour l'apprentissage. C'est des situations quand même aussi qui sont problématiques. Le niveau de pauvreté dans notre pays est rendu très préoccupant, à tel point que ça affecte aussi les différentes facettes de la vie. Donc il ne faut pas négliger ça aussi. Dans l'immédiat, il faudrait quand même commencer déjà à sensibiliser les jeunes avec des discours qui sont rassurants. Il me semble donc que, compte tenu de l'ampleur des phénomènes, les dirigeants au plus haut sommet de l'État, en commençant d'ailleurs par le président de la République, devraient être le premier à donner un discours rassurant qui mobiliserait les jeunes vraiment à retourner à l'école. Donc, les dirigeants, comme je le disais, les dirigeants devraient se saisir de la question
prendre le bâton du pèlerin et aller sur le terrain sensibiliser les jeunes à l'éducation pour leur avenir. Comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas juste l'avenir des jeunes qui seraient hypothéqués, mais aussi, je dirais, l'avenir de toute la nation. Si les chiffres continuent comme ça, je ne sais pas comment on va rectifier le tir.